Nous avons toujours parlé de partir. Toujours, il me semble. Quand nous étions des enfants, déjà. C'est un homme très jeune. Il doit avoir l'âge que vous aviez ce jour-là, sur la plage. 23 ans, je crois me souvenir. La mer est comme endormie. Il n'y a aucun vent. Il n'y a personne. La plage est lisse comme en hiver. Je vous y vois encore. Vous alliez au-devant des vagues et je criais de peur. Et vous n'entendiez pas. Et je pleurais. Je croyais tout savoir. Tout. Oui. Tout avoir prévu. De tout. De tout ce qui pourrait survenir entre vous et moi. Oui. Je croyais avoir tout envisagé. Tout. La douleur? Non. Ce n'est jamais possible. C'est ça. Jamais. On croit la connaître, comme soi-même. Et puis, non. Chaque fois, elle revient. Chaque fois, miraculeuse. Chaque fois, on ne sait plus rien. Chaque fois. Devant ce départ, par exemple, on ne sait plus rien. Oui. Et tu vas partir? Oui. Vous avez dû mentir aussi. Quand? Quand vous m'avez envoyé le télégramme sur le rendez-vous. Viens. Viens demain. Viens parce que je t'aime. Viens. Je ne pouvais pas dire autrement. Je n'ai pas menti. Vous auriez pu dire: je pars. Viens, je pars. Viens puisque je pars, puisque je te quitte, puisque je pars. Je ne voulais pas dire que je vous quittais. Non. Je voulais vous voir, je crois. Rien d'autre, vous voir. Et puis, vous quitter ensuite. Très vite après, comme à l'instant même où je vous aurais vu. Tout est si obscur. Je crois que je pars en raison de la force si terrible de cet amour que nous avons l'un de l'autre. Je n'ai pas pu éviter ce voyage. J'ai envie de vous quitter. Autant que j'ai envie de vous voir, je me laisse aller à ces choses sans les comprendre. Tu pars quand, Agatha? Demain, très tôt. À 4 heures du matin, dans la nuit noire. Vous connaissez ces avions? Le soleil se lève après les Açores. Une femme, vous y avez emmené une fois. Vous étiez très jeune, c'était au printemps. Je ne sais plus. C'était avant toi. Je ne sais plus.
Ainsi, votre corps va être emporté loin de moi, loin des frontières de mon corps. Il va être introuvable. Je vais en mourir. Il ne sera plus rien. Non. Il ne sera plus ni vivant, ni mort. Il sera à moi de cette façon-là. Il est à vous. C'est ce que vous vouliez me faire. Oui. Cette souffrance. Oui. Agatha. Agatha. Et me le dire ainsi. Vous le vouliez aussi. Oui. Je tenais à vous annoncer ce départ comme je le fais. En ce moment. Face à vous. Face à vos yeux. Quel désir de vos yeux. Mais que seront-ils? Que me restera-t-il à voir si vous n'êtes plus là? Si vous vous tenez dans cette horreur de vous éloigner si loin de moi? Ce sera le même ciel. L'Est restera là où il est. Et la mort. Alors vous voyez, rien n'y fera. Je vois que vous avez 15 ans. Que vous avez 18 ans. Que vous revenez de nager. Que vous sortez de la mer mauvaise, que vous vous allongez toujours près de moi, que vous ruisselez de l'eau de la mer, que votre cœur bat vite à cause de la nage rapide, que vous fermez les yeux, que le soleil est fort. Je vous regarde. Je vous regarde après la peur atroce de vous perdre. J'ai 12 ans, j'ai 15 ans. Le bonheur pourrait être, à ce moment-là, de vous garder vivant. Je vous parle. Je vous demande, je vous supplie, de ne pas recommencer à vous baigner lorsque la mer est si forte. Alors vous ouvrez les yeux et vous me regardez en souriant et puis vous refermez les yeux. Je crie qu'il faut me le promettre et vous ne répondez pas. Alors je me tais. Je vous regarde seulement. Je regarde les yeux sous les paupières fermées. Je ne sais pas encore nommer ce désir que j'ai de les toucher avec mes mains. Je chasse l'image de votre corps perdu dans les ténèbres de la mer, flottant dans les fonds de la mer. Je ne vois plus que vos yeux. Vous savez, je ne peux pas supporter l'idée de ce départ. Je ne la supporte pas, moi non plus. Nous sommes pareils devant ce départ. Vous le savez. Vous aviez toujours dit que ce serait plus tard dans notre vie que ce départ surviendrait.
C'est le mot que vous avez employé ici pendant l'hiver dernier. Vous avez toujours dit ça, toujours, toujours. Vous mentez encore, vous mentez. Vous savez, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Cette date. Vous l'aviez prévue plus lointaine. Laissez-la passer. Revenez vers moi. Un autre départ serait possible. Retardez-le seulement d'un an. Je vous en supplie. Non. Aidez-moi, je vous en supplie. Tout d'abord, je ne l'avais pas prévu, du tout, comme pouvant avoir lieu. J'en parlais, mais sans jamais l'envisager vraiment. Dans l'abominable évidence d'une date, d'un mot, disant la ville étrangère de laquelle vous seriez absent. Et puis une fois, il m'est apparu que je pouvais le faire. Dire ce nom, ce mot, que si lointaine que soit cette date, cette destination, je pouvais néanmoins l'envisager, l'apercevoir séparément de ma mort. Vous avez pu faire cela, envisager cela, ce départ loin de moi, séparément de votre mort. Vous avez pu faire ça, une seule fois, une seule, vous avez pu. C'est arrivé en effet. Ça a duré quelques secondes. Comme je vous le disais, le temps de voir. Le temps de vous voir mort. De me voir vivante. Près de vous, mort. Je me souviens mal. Cela devait se passer dans le petit matin, juste avant le réveil. Je ne sais pas de quelle nature, je ne sais plus de quelle nature était cette mort qui vous frappait. Il me semble qu'elle avait affaire à la mer. Toujours cette image d'enfance, de vous, qui alliez au-devant des vagues. Et je vous ai regardé. Mais ces quelques secondes, si court qu'a été ce temps, si petite, cette différence entre hier et aujourd'hui, dans votre sentiment pour moi, si insignifiante qu'elle pouvait apparaître, vous savez bien qu'il s'agit de la fin tout entière. Vous le savez. Vous le savez. Ne dites pas le contraire. Vous le savez. Je crois que nous nous trompons encore. Nous nous trompons toujours. Il ne devait pas s'agir de cette différence que vous dites, entre vous aimer plus ou moins, ou plus encore, ou au contraire déjà un peu moins peut-être. Non. Non. Il devait s'agir de vous aimer toujours, dans cette perspective de ne plus vous aimer, de faire tout. Pour ne plus vous aimer, pour vous oublier, pour vous remplacer,
pour vous laisser, pour vous perdre. Regarde-moi. Je crie. Je crie avec toi. Tandis que tu pars, tu m'aimes toujours. Tu pars pour aimer toujours. Je pars pour aimer toujours dans cette douleur adorable de ne jamais te tenir, de ne jamais pouvoir faire que cet amour nous laisse pour mort. Cet homme, est-ce qu'il sait? Non. Vous le lui dites de la même façon? Oui. Dites-le-moi comme à lui. Je t'aime. Encore. Je vous aime comme j'ignorais pouvoir. À qui avez-vous parlé? Je ne sais pas à qui je parle. Tu es Agatha. Agatha, je te vois. Je te vois. Tu es toute petite d'abord. Et puis ensuite, tu es grande. Où est-ce? Sur la plage. Là. Tu as 7 ans. Dans un autre endroit. Oui. Dans un endroit fermé. Une chambre. Oui. Nous sommes seuls dans la villa. Oui. Où est notre mère? Où sont les autres enfants? Ils dorment. C'est l'heure de la sieste. C'est l'été. C'est ici. C'est cet endroit, ici. La villa Agatha. Oui. C'est l'été d'Agatha. Le nôtre, oui. C'est-à-dire l'été. C'est le matin. Je sors de la villa et je regarde la plage. Je cherche ma sœur parmi les gens, les baigneurs. Si loin que soit la mer, si loin qu'elle soit, elle, je reconnais toujours ma sœur. Je ne peux pas encore dire à quoi je la reconnais tant. Quand je ne la vois pas tout de suite, j'ai peur. C'est une peur identique à la sienne, qui est la peur d'Agatha, celle de la mer, celle de son engloutissement dans la mer. Elle aussi, Agatha, elle va au-devant des vagues et elle nage, loin. Au-delà des balises autorisées, au-delà de tout. Et on ne la voit plus. Et on crie. Agatha ne revient que lorsque je lui fais signe de revenir vers moi.
Elle s'allonge près de moi. Je reviens lentement de la peur d'Agatha. Elle me demande de lui pardonner. Je ne réponds pas. Vous savez, je ne supporte pas ce départ. Je sais. Vous ne pouvez pas accepter ce départ. De la même façon, je ne l'accepterai pas de vous. Jamais. En aucun cas. Et nous allons le faire. Nous allons pourtant nous faire cela, nous séparer de nos vies. Je n'ai jamais imaginé partir de vous. Je ne peux pas, vous comprenez? Je ne peux pas sans vos yeux enfermés dans ces frontières-ci. Sans votre corps ici. Sans cette chose, vous savez, cette légère perte de présence qui vous atteint lorsque d'autres vous regardent et que je suis là, parmi eux. Vous savez bien, cette ombre sur le sourire qui vous fait si désirable et dont je suis seul à savoir ce qu'elle est. Ce départ, je ne peux pas. Je ne peux pas, vous comprenez? Je ne peux pas. Je ne peux pas, vous comprenez? Je ne peux pas. Encore davantage. Sur quoi voulez-vous savoir? Cette promenade au bord du fleuve, en France. Pourquoi? Pour essayer de voir ce que vous avez vu. Vous ne pourrez jamais. C'était il y a longtemps maintenant. Vous viviez encore avec nous. Nous étions ensemble dans la villa Agatha pendant ces années-là, durant les vacances. Il y avait ce piano noir qui était dans cette sorte de salon face à la plage. Après, ce piano a été vendu et la cloison a été abattue pour agrandir une chambre. C'était après votre départ, mais vous savez, ces choses-là, vous devez vous souvenir de tout ça. Et puis ensuite, longtemps après ces premières années, cela s'est trouvé ailleurs, dans une autre chambre, face à un autre fleuve. Ce n'était pas ce fleuve colonial de notre enfance. Non, c'était après. Oui. Je crois que nous avions fait un pique-nique. Toute la famille ensemble. Notre père vivait encore. C'était vers ce fleuve. C'était en France. Ce n'était pas loin de la villa Agatha. Et après le pique-nique, nous sommes partis, vous et moi. Nous sommes allés au fleuve, justement, pour voir. Et puis, nous avons trouvé cet hôtel. C'était une longue maison grise sur la berge du fleuve.
Vous avez dit qu'il s'agissait d'un château transformé en une maison de rendez-vous. Nous avons pénétré dans l'hôtel. J'avais vers 15 ans et vous 19 ans, je crois. Nous avions encore peur d'aller à l'aventure. Nous y allions cependant. Oui. Je crois me souvenir. Dans cet hôtel, il y avait aussi un piano noir. L'hôtel était ouvert. Toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait personne. Le piano était ouvert. Nous avons traversé l'hôtel et nous nous sommes trouvés sur la berge du fleuve. Et puis ensuite, sur le fleuve. Il était immense, immobile, et plein d'îles, de peupliers partout, sur les îles, sur les berges. Après l'hôtel, il y avait un tournant du fleuve, et on le perdait de vue. Vous avez dit, c'est la Loire. Elle est si large, regarde. La mer ne doit pas être loin. Vous avez dit qu'il n'en paraissait rien, mais que c'était un fleuve dangereux. Vous avez expliqué les trous d'eau et les vertiges et les tourbillons qui s'emparait du corps des enfants l'été et les enfouissait dans les sables, les fonds. Vous avez dit aussi que ces peupliers-là, de la Loire, en ce moment du début de l'été, avait la couleur de mes cheveux lorsque j'étais une petite fille. Vous étiez très beau, sans jamais vouloir le paraître. Jamais. Et cela donnait à votre beauté la grâce incomparable, oui, insaisissable, de l'enfance. Et je l'ai vu tout à coup. Nous étions rarement seuls. C'était peut-être la première fois. Je me suis éloignée de vous. Je vous ai regardé. Et puis j'ai regardé le tournant du fleuve. Ensuite, je suis revenue. Et j'ai vu que vous étiez encore là. Et que vous me regardiez encore. Et j'ai vu que vous pensiez la même chose à me voir que moi, de vous avoir vu dans cette solitude, loin d'elle, qui nous avait appris à nous tenir dans cette merveilleuse négligence de nous-mêmes. Nous n'avons rien dit de ça. Nous étions comme les autres enfants. On ne se disait rien, sauf depuis quelque temps, à cause de cette différence d'âge entre vous et moi, de choses comme ça, comme par exemple celle sur le fleuve. Après, nous avons visité l'hôtel, chacun de notre côté. Vous,
Vers les chambres, je crois. Je ne sais plus très bien. Et moi, vers les salons, en enfilade. Après les salles à manger. Il n'y avait toujours personne. La seule chose que j'entendais, tandis que je marchais, c'était votre pas à l'étage supérieur, dans les chambres. Puis je suis tombée à nouveau face au fleuve, devant le piano noir. Je me suis assise et j'ai commencé à jouer la valse de Brahms. Tout à coup, j'ai cru pouvoir la jouer, et puis non, cela n'a pas été possible. Je me suis arrêtée à la reprise, vous savez, celle que je n'ai jamais pu passer correctement. Vous savez bien le désespoir de notre mère. Après que je me sois arrêtée, j'ai entendu que vous ne marchiez plus au premier étage. Vous inventez. Je ne sais pas. Je ne crois pas. J'ai entendu que vous vous étiez arrêté de marcher et puis que vous aviez recommencé à marcher. Et tout à coup, j'ai vu que vous étiez là, debout, quant à la porte. Vous me regardiez, comme vous seul, vous le faites, comme à travers une difficulté à voir, à me voir. Vous avez souri. Vous avez dit mon nom, deux fois. Agatha, Agatha, tu exagères. Tu exagères, Agatha. Et je vous ai dit, toi, joue là, la valse de Brahms. Et je suis reparti dans l'hôtel désert. J'ai attendu, et au bout d'un moment, cela s'est produit. Vous avez joué la valse de Brahms. J'étais dans un grand salon. Face au fleuve, et j'ai entendu vos doigts faire cette musique que mes doigts, que moi, jamais ne saurais faire. Je me voyais dans une glace, en train d'écouter mon frère jouer pour moi seul au monde, et je lui ai donné toute la musique à jamais. Et je me suis vue emportée dans le bonheur de lui ressembler, tant qu'il en était de nos vies, comme coulait ce fleuve ensemble, là, dans la glace. Oui, c'était ça. Oui. Et puis ensuite, une brûlure du corps s'est montrée à moi. J'ai perdu la connaissance de vivre pendant quelques secondes. Agatha. Oui, je me suis appelée pour la première fois et de ce nom. Celle que je voyais dans la glace, je l'ai appelé comme vous le faisiez, vous, comme vous le faites encore, avec cette insistance sur la dernière syllabe. Vous disiez Agatha. Agatha. Je vous aime, comme il n'est pas possible d'aimer. «
Vous ne vous souvenez de rien de cet après-midi? Je me souviens de tout ce que vous venez de dire. Je ne me souviens pas l'avoir vu. La porte de l'hôtel était-elle ouverte sur le fleuve? C'est ça. Il y avait deux portes parallèles face au fleuve. Entre ces deux portes, il y avait le piano noir. Après, il y avait le fleuve. Les salons étaient à gauche des portes, vers le tournant du fleuve. Là où il se perdait. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez dit. Regarde le fleuve qui se perd. Là, il se perd. Il se perd dans la direction d'Agatha. Après, vous avez cessé de jouer. Vous m'avez appelé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Vous avez encore appelé. Cette fois-là, avec une certaine frayeur. C'est alors que je vous ai répondu que j'étais là, que je venais. Je suis venue. Et j'ai posé mes mains à côté des vôtres, sur le clavier. Nous avons regardé nos mains. Nous les avons mesurées pour savoir de combien les miennes étaient plus petites. Je t'ai demandé de lui dire à elle, notre mère, que je voulais abandonner le piano. Tu as accepté. C'est alors qu'elle a dû arriver par la porte du parc de l'hôtel. On l'a découverte ainsi, nous regardant tous les deux, dans la lumière du fleuve. Elle a souri, elle aussi. Elle a dit qu'elle était inquiète, que nous étions partis depuis une heure déjà. Je me souviens. Je lui ai dit... Agatha ne veut pas continuer à étudier le piano. Je lui ai dit qu'elle devait accepter cette décision d'Agatha. Que moi, je jouerais à la place d'elle, d'Agatha, durant toute ma vie. Elle a regardé ses enfants longtemps, avec cette même douceur que prend votre regard parfois. Et puis, elle a dit que oui, qu'elle acceptait. Que Agatha était libérée de cette obligation d'apprendre le piano. Que c'en était fini. Thank you.
d'autres que nous, qui connaîtraient notre histoire, pourraient dire ça. C'est à partir de cette impossibilité dans laquelle il se tenait, lui, de partir d'elle, qui a fait qu'elle, elle ait pu envisager de partir de lui. Il dirait, il était l'aîné des enfants, son aîné à elle de 5 ans. Agatha était la deuxième, rappelez-vous. Il avait donc cette habitude de décider pour les plus jeunes. Il n'aurait pas pu prévoir qu'elle partirait de lui sans qu'elle le lui laisse au moins à deviner. D'autres auraient demandé, même dans ce cas, d'un amour coupable. Oui. D'autres encore auraient répondu, oui, même dans ce cas. De cet amour criminel. Oui. Ton corps, Agatha. Ton corps blanc. Mon corps. Blanc, oui. Blanc. Oui, c'est ça, oui. Je crois. Je crois aussi. Je ne sais plus très bien. Je ne suis plus sûr de rien. Elle disait, ils ont la même fragilité, les yeux, de la peau, la même blancheur. Je le savais, jamais. Tu ne m'aurais jamais quitté. Jamais. Je n'aurais jamais pu. Je ne pourrais jamais. Nous en serions restés là où nous sommes, à nous rencontrer dans la villa Agatha. Oui. Nous en serions restés dans cet endroit, devant la mer. Comment entrez-vous dans la villa Agatha? De nuit, avec les clés données par elle. Celle laissée par elle? Non, celle donnée par elle, la veille de sa mort, à moi, le frère d'Agatha. Elle voulait mourir là. Vous venez seul, n'est-ce pas, quelquefois, à la villa Agatha? Oui, comme vous y venez, vous aussi, seul. Quel vertige, laissé par votre sommeil. Ton odeur, Agatha, se vide. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous aide, je pars, je vous aide. Il est vrai. Quelque chose d'autre devait pouvoir se produire entre vous et moi. Comme un devenir nouveau de l'histoire. De partir, peut-être. Non. Le changement ne serait donc pas de partir? Non. Vous êtes de mauvaise foi, comme toujours, à un moment ou à un autre. Vous savez que le départ ne sera rien d'autre qu'un déplacement de la villa Agatha, de l'autre côté de la mer, ou ailleurs. Non. Le changement ne serait pas de partir. Je voudrais pouvoir vous dire ce qu'il serait,
Je ne sais pas. D'inventer. Quoi? Comme une peur? Oui. De la mer? Des dieux? Oui, la peur. Quel serait alors le changement? De rester cependant dans cet amour. Que ferions-nous sans cette douleur, sans cette séparation, cette douleur? Que ferions-nous sans air, sans lumière? Que ferions-nous de l'air, de la lumière, sans ce savoir-là d'y être ensemble soumis? Mon amour, Agatha, ma sœur, Agatha, mon corps, Agatha, mon enfant. Comment étaient ses yeux? Bleus. Comme les siens, à lui? Oui. Ah, cette coïncidence. Ce bonheur. Vous portiez ce jour-là une robe bleue, une robe de plage. Vous l'aviez jetée par terre, au bas du lit. Attendez. Je crois, oui, bleue nuit. C'était une robe de notre mère, ancienne, à rayures blanches. Elle me la prêtait quelquefois. Vous vous souvenez de cette couleur, de ce bleu? Oui, de la tache bleue sur le sol, à partir de quoi j'ai deviné le blanc du corps nu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il arrive qu'un amour meure. Si vous l'aimez, même pour un temps très court, quelques semaines, quelques nuits, à la place de m'aimer toujours, même durant quelques nuits, dites-le-moi. Je l'aime. Je vais crier. Je crie. Crier. Je vais mourir. Mourir. Voici revenue l'épaisseur obscure autour de nous. Le calme de cette interdiction qui est notre loi. Ainsi, vous êtes venu pour m'avertir de ces décisions que vous avez prises loin de moi, pour faire cette interdiction plus interdite encore. Oui, plus dangereuse, plus redoutée, plus redoutable. Plus effrayante, plus inconnue, maudite, insensée, intolérable. Au plus près de l'intolérable, au plus près de cet amour. Je vois. Je suis fou de voir. C'est curieux ce temps qu'il fait tout à coup. Cette tiédeur tout à coup. Il ferait presque beau. Presque chaud.
comme un retour de l'été. Je vous parle. Je vous parlais. Je vous entends. Vous étiez en effet innocente, encore si jeune, ne sachant rien de la portée de votre douceur, de la puissance incommensurable de votre corps. Vous étiez belle, on le disait, et vous lisiez Balzac. Vous étiez la splendeur de la plage, et vous saviez aussi peu de cette splendeur qu'un enfant de sa folie. Il fait effectivement un temps d'une extrême bonté, compte tenu de l'hiver qui va venir et de notre amour qui va vers le voyage, d'une douleur telle qu'il va en être comme d'en mourir. La mer est tiède, très calme. Des enfants se baignent devant la villa. Oui, des enfants se couchent dans les franges des vagues. Ils laissent la mer les recouvrir. Ils rient, ils crient. Vous avez 18 ans depuis quelques jours. Tout à coup, cette nouvelle. Ma sœur est grande. Ma sœur, Agatha, a 18 ans. Notre mère me l'annonce. Elle m'écrit « Tu devrais venir la voir. Elle est belle, tout à coup, à ne pas en croire ses yeux. Et on dirait qu'elle ne le sait pas. On dirait, tu vois, qu'il y a en elle comme un retard à vouloir le savoir. Comme elle s'écartait de nous, parfois, lorsqu'elle était petite. Tu te souviens? Elle le fait maintenant, d'elle-même. Vous êtes fiancé à une jeune fille des Charentes. Vous avez 23 ans. Vous finissez l'université. Vous habitez seule. Vous ne venez plus que quelques jours pendant l'été, à la villa Agatha. Cet été-là, je viens pour voir Agatha. Je reste un peu plus qu'il n'était prévu. C'est un été admirable. C'est un jour d'été à Agatha. Une sieste au mois de juillet. Le parc est de l'autre côté de la maison, de l'autre côté de la mer. Nos parents sont allongés sous la tonnelle. Je les vois de la fenêtre de ma chambre. Ils dorment à l'ombre de la villa. Nos chambres donnent sur ce parc. Rien n'est à craindre. Aucun regard. Aucune indiscrétion. Rien ne peut troubler la paix de la chaleur. Nos jeunes frères et sœurs, cet été-là, sont en Dordogne.
chez nos grands-parents. Notre mère était malade. Une dépression inattendue. Et elle avait demandé à être seule, avec vous et notre père, cet été-là. On entend le bruit de la mer, calme et lent. Je me repose dans l'après-midi. Depuis 2 ans, il en est ainsi. Il faut qu'elle se repose. Oui. Je dors près de vous. Nos chambres sont séparées par une cloison sonore. Vous le savez. Je ne le savais pas avant cet été-là. Je rentre dans la chambre hallucinatoire. Je crois qu'elle dort. Elle ne dort pas. Je la regarde. Le sait-elle? Elle le sait. Elle ne sait pas qui c'est, peut-être. Si, elle connaissait le son de votre pas. Elle savait qui avançait dans la chambre. Le corps de ma sœur est là, dans l'ombre de la chambre. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre le corps de ma sœur et celui d'une autre femme. Les yeux sont fermés. Elle sait, cependant, que je viens. Oui. La différence est dans cette connaissance que je croyais avoir d'elle et la découverte de l'ignorance de celle-ci. Dans l'immensité de cette différence entre la connaître et l'ignorer. Le bruit de la mer entre dans la chambre, sombre et lent. Sur votre corps, le dessin photographié du soleil. Les seins sont blancs. Et sur le sexe, il y a le dessin du maillot d'enfant. L'indécence du corps à la magnificence de Dieu. On dirait que le bruit de la mer le recouvre de la douceur d'une houle profonde. Je ne vois plus rien que ceci, que vous êtes là, faite. Que la nuit de laquelle vous êtes extraite est celle de l'amour. Je le regarde longtemps, le sait-elle? Elle le découvre. Je vous entendais parfois, à travers la cloison sonore. Il arrivait que nous soyons seuls dans la villa. Rappelez-vous. Vous rameniez des jeunes filles, et j'entendais comme vous disiez les aimer, et j'entendais aussi parfois comme elles pleuraient dans la jouissance donnée par vous. Et j'entendais aussi de ces choses qu'on se dit dans ce cas, ces injures et ces cris. Et il arrivait que j'ai peur. Votre chambre était si calme, toujours. Jusqu'à cette fois. Cette fois-là, vous savez, lorsque quelqu'un est venu vous prendre de même, c'était un ami de moi, et que vous avez crié de jouir et de peur de la même façon. La jouissance était grande. Il me semble me souvenir qu'elle l'était, oui. Elle devait laisser pour morte ma sœur Agatha.
Je crois. Mais avant ce matin-là, sur la plage, et après cet après-midi-là, près du fleuve, je sais mal ce qui est arrivé de moi. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre le regard de mon frère sur mon corps nu et le regard d'un autre homme sur ce corps. Je ne savais rien de cela, de mon frère, de ces choses interdites, ni combien elles étaient adorables, vous voyez, ni combien elles étaient à ce point, contenu dans mon corps. Guidez-moi vers le corps blanc. Les yeux sont invisibles. Le corps est enfermé tout entier sous les paupières. Vous êtes ma sœur. Le corps est immobile. Le cœur se voit sous la peau. Vous touchez le corps. Vous vous allongez le long de lui. Nous nous taisons. Les seins, je crois, sont à la portée des mains, des baisers, de la bouche. Nos parents se réveillent. Je ne sais plus votre nom. On vous a marié 2 ans après. Tout a été recouvert. Je vous aime comme au premier instant de notre amour. Cet après-midi-là, dans la villa atlantique. Je vous aime. Vous avez eu des enfants. Un mariage heureux, dit-on. Oui. On dit de même que vous. Oui. Nous n'avons jamais divorcé. Nous nous sommes donné cette fidélité. Je vous l'ai donnée. Vous me l'avez donnée en retour. Jusqu'à ce jour. Où tout recommence. Oui. Aucun autre amour. Je vous avais vu le matin sur la plage. Je rejoins ma sœur, comme chaque jour je le faisais. Nous avons nagé ensemble. Et puis, nous nous sommes allongés sur le sable. Il faisait beau. Du soleil. Un vent clair. Et tout à coup, vous avez dit, « Comment se fait-il ? Les autres ne sont pas encore là. Nous avons regardé vers la villa, aux escaliers blancs. Tout paraissait normal. Et puis j'ai vu l'horloge de la pergola. J'ai vu que nous nous étions trompés d'heure. Que nous étions arrivés sur la plage 1 heure plus tôt qu'à l'accoutumée. C'était le lendemain de ce jour-là. Vous savez, de ce soir-là, lorsque cet ami était venu pour vous prendre et que vous avez crié,
Je me souviens vous avoir parlé d'un premier désir de vous donner la mort. Vous n'avez pas répondu. C'était sur la plage. Nous avions une heure d'avance sur le monde. Une heure seulement. Et cela a suffi. Je vous ai parlé de ce qui était arrivé la veille. Je vous ai dit qu'il y avait sur votre maillot blanc une légère tache de sang. Nous nous sommes regardés. J'ai dit votre nom d'enfant. Vous avez pleuré. Vous m'avez demandé de vous pardonner. Après, je ne me souviens plus que de ce regard qui creusait notre corps tout entier, d'une blessure si grande, plus grande que lui, brûlante. Je vous en supplie, dites quelque chose simplement. Dites. Écoutez, je dis ça. Je dis, on nous a mariés dans les années d'après. Tout a été recouvert. Dites-moi aussi, je ne sais plus. Dites-le-moi. Je n'ai jamais su. Non. Je ne crois pas. Non. Je n'ai pas de souvenir de... Non. Je n'ai de souvenir que de vous avoir vu. Pas d'autre chose. D'aucune autre chose que de vous avoir vu. Regardez. Regardez jusqu'à découvrir la phénoménale banalité de votre perfection. Que je suis votre frère et que nous nous aimons d'amour. Écoutez-moi. Écoutez. Il arrive aussi bien qu'un amour ne meure pas et qu'il faille l'anéantir. Sur la plage, je vous ai demandé, qu'est-ce qui arrive? Dis-le-moi. Vous aviez toujours de ces craintes, de ces peurs, la nuit surtout. Des peurs de vous ne saviez quoi. Vous aviez 5 ans, 7 ans, 12 ans. On vous retrouvait en larmes, dans le corridor, perdue, tremblante. J'ai dû répondre ce jour-là comme toujours, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait se laisser faire, s'abandonner, dormir. Non. Ce jour-là, tu as dit que tu ne savais plus rien avant. Tu as dit avant aujourd'hui. Je demandais de quoi. Tu ne savais plus rien. J'ai dit de tout. De toi. Oui, c'est ça. Et des escaliers blancs de la villa Agatha sont descendus nos jeunes frères et sœurs et nos parents. Tout a été recouvert pour la première fois. Où allez-vous partir? Loin de vous. C'est le mot. Avec lui, loin de vous. Je viendrai. Oui. Et de là, vous vous en irez encore. Oui. Et je viendrai encore. Oui.
et de là, vous vous en irez encore. Oui. Je pars pour vous fuir. Et afin que vous veniez me rejoindre, là même, dans la fuite de vous. Alors je partirai toujours de là où vous serez. Il a votre âge. Le corps pourrait être beau. Je ne sais pas très bien. Comme le vôtre, il me semble. Encore maladroit. Comme non encore délié. Vous voyez? Comme encore faible. On dirait. Et devoir encore grandir. Encore devenir. Les yeux. Bleu, très clair. J'embrasse le bleu sous les yeux fermés. Les yeux de mon frère n'ont jamais été touchés par moi. Il dit, regarde autour de nous, ce pays si vaste, jusqu'aux confins des océans. Ferme les yeux et regarde la terre. Et alors je vois votre visage d'enfant qui la cherche, les yeux mi-clos sous le soleil. Tu disais, regarde, Agatha. Regarde derrière tes yeux. C'était toujours sur la plage. Tu posais tes mains sur mes yeux et tu appuyais fort. Et je voyais. Et je te disais ce que je voyais. Le rouge, les incendies et la nuit. J'avais peur. Et tu me demandais de te dire encore. Et je te disais voir aussi tes mains à travers le rouge de leur sang. Tes mains, si belles, si longues, comme brisées, cassées, posées sur le sable près de moi. Les mains d'Agatha, tellement ressemblantes. Oui. Si longues, comme brisées de même, comme cassées. Cette valse de Brahms, elle n'a jamais su la jouer tout entière. Jamais. Et notre mère se plaignait, cette petite fille qui ne veut pas travailler, avec ses mains qu'elle a, qui ne veut rien vouloir savoir du piano. Jusqu'à ce jour du fleuve. Quand elle lui a donné la musique, à jamais, et qu'elle a été emportée dans le bonheur, comme coulait le fleuve. Oui, et elle qui ne comprenait pas. Mes deux premiers enfants, mes deux aînés, avaient les mêmes mains à s'y tromper. Faites pour la musique. Mais la petite, elle, elle ne voulait pas. C'était la deuxième, la première petite fille, celle qui venait après lui, le deuxième enfant. Elle était paresseuse. Je n'aurais pas dit ça. J'aurais dit que c'était comme si ça n'avait pas été la peine pour elle, vous voyez, de jouer, de vivre. Du moment qu'il le faisait, lui, si merveilleusement. Elle disait, rien que cette façon de poser les mains sur le clavier et d'attendre, la respiration s'arrête. Elle disait que ce n'était pas la peine, puisque lui le faisait. Le corps, disiez-vous. Votre taille. C'est un homme d'une grande douceur.
Le nom que je crie est le mien. Agatha. Agatha. Il ne s'étonne pas. Je lui ai dit, ce n'est pas mon nom. Je lui ai dit m'appeler d'un autre prénom, de celui de Diotima. Vous savez, il ne sait rien de ma vie. Il ne sait que mon mariage. Que lui dites-vous, d'Agatha ? Que c'est le nom que me donnait un amant du nom de Ulrich Heimer. C'est un homme qui n'est pas sans avoir lu, mais pas jusque-là, jusqu'à ces lectures-là. Que diriez-vous ? Illimité ? On pourrait dire aussi personnel. Vous disiez en manière de jeu, ces histoires, nous les avons écrites. C'était dans le jardin de la maison coloniale, pendant ces 2 années au Gabon, je crois, lorsque notre père avait emmené sa femme et ses enfants. C'était le long de l'autre fleuve, pendant la sieste. Je ne sais plus notre âge à ce moment-là. Vous avez 17 ans. Je ne sais plus. Rappelez-vous, on lit que c'est l'été en Europe, que les amants sont dans un parc. Ils sont étendus, immobiles, loin l'un de l'autre, de très près. Ils sont enfermés dans un parc, clos de murs, durant tout l'été. Ils se cachent de toute la ville. On lit qu'ils sont ainsi étendus, immobiles, jusqu'à perdre conscience de leur séparation. Et que le moindre mouvement de l'un est un réveil intolérable pour l'autre. Rappelez-vous dans cette chaleur, face au fleuve, on lisait que c'était dans une lumière d'hiver que baignaient les amants pendant ce crépuscule, lorsque la tentation était si forte qu'ils pleuraient sans le ressentir. Nous n'étions pas d'accord. Vous disiez, Agatha est celle qui aurait osé affronter la mort. Vous disiez qu'Agatha, elle, ne pouvait pas mourir. Qu'elle, elle affrontait la mort sans danger de mourir. Je disais de même que lui était mortel. Lui, oui. Qu'il pouvait mourir d'être privé d'elle. Qu'il n'était pas à l'abri de ces accidents-là. Notre mère écoutait. Notre mère écoutait, oui. Nous ne le savions pas. Elle écoutait nos conversations sur Agatha. Oui. Elle entendait de même par la suite ce vouvoiement soudain entre ses enfants. Nous avions décidé de nous vouvoyer après ce jour de juillet. Rappelez-vous, ce même soir. En manière de jeu, disions-nous, et les gens s'en amusaient. Sauf elle, peut-être, cette mère charmante, maintenant morte. Cette femme, notre amour. Notre amour, notre mère. Je voulais vous dire, elle a parlé le jour de sa mort. Elle a dit ce jour-là, mon enfant, ne te sépare jamais de lui, ce frère que je te donne.
Elle a dit aussi, un jour, il te faudra le lui dire comme je te le dis maintenant. Qu'il ne faut pas qu'il se sépare d'Agatha. Elle a dit encore, vous avez la chance de vivre un amour inaltérable et vous aurez un jour celle d'en mourir. Vous partez demain à l'aube. Oui. Pour toujours, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à votre arrivée, dans les frontières du nouveau continent, où rien n'arrivera plus. Rien, encore une fois, que cet amour. Cet été était-il aussi beau que nous le disons? Oui. C'était un été admirable. Le souvenir en est plus fort que nous qui le portons. Que vous. Que vous et moi ensemble devant lui. C'était un été plus fort que nous. Plus fort que notre force. Que nous. Plus bleu. Que toi, plus avant que notre beauté, que mon corps, plus doux que cette peau sur la mienne, sous le soleil, que cette bouche que je ne connais pas.